Salon du Livre. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Bah, une première déjà, parce que j'y étais jamais allé, j'avoue, en tant que profane, j'ai envie de dire. Et là, de se retrouver ici à dédicacer un livre, c'est quand même assez agréable. Donc, je suis très content. Il y a beaucoup de monde. Hein. Et en plus, il y a beaucoup de monde. Et je pense que j'ai choisi le bon endroit parce que je suis à côté d'Emmanuel Petit et Nikos. Donc, pour le coup, le stand draine du monde, même qui venait pas me voir à la base. Donc, du coup, c'est une pub incroyable pour nous. Alors, parlez-moi justement un petit peu du livre. Alors, l'idée du livre, pourquoi avoir fait ce livre ? L'idée, c'est de pouvoir permettre aux 13-17 ans majoritairement, mais même aux autres, de pouvoir éviter de partager tout et n'importe quoi sur les réseaux, ou du moins de pouvoir vérifier les articles qui racontent des choses et qui peuvent être des fake news, donc raconter de fausses informations. Donc il y a un grand danger justement pour la jeunesse ? Pour la jeunesse et pas que, hein, parce qu'au final, le président des États-Unis a été aussi élu grâce à ça. Donc on peut se dire qu'il y a un danger pour tout le monde et on commence par la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir, donc autant commencer à la racine, j'ai envie de dire. Est-ce qu'en France on est préparé un petit peu mieux qu'ailleurs ? Les gens sont un peu informés quand même maintenant ? Je pense que c'est un peu partout pareil, pour la simple et bonne raison que c'est assez générationnel à travers le monde. Le fait que les réseaux sociaux prennent énormément de place et qu'à l'inverse, les jeunes se désolidarisent des médias traditionnels, du coup, on se retrouve avec des jeunes qui préfèrent, ou même d'autres d'ailleurs, des moins jeunes, qui préfèrent se renseigner sur les réseaux sociaux. Résultat, il faut faire attention parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Non, bah oui, mais en fait j'ai toujours fait de l'humour avec du fond. Bah, j'ai toujours bossé avec Hamza qui est sociologue et c'est important pour moi de faire rire mais aussi de pouvoir faire réfléchir. Hamza a fait tout le travail de recherche universitaire, donc en gros tout le boulot. Lionel s'est occupé des illustrations. Et moi, j'ai rajouté des blagues. Et j'essaie de vulgariser tout le travail de recherche afin de pouvoir rendre ça le plus accessible possible. Et après, avec Lionel, on a fait des personnages et on a imaginé plein de personnages rigolos et surtout de situations. Enfin, comment mettre en image des trucs qui sont compliqués, mais avec humour. L'humour, en fait, c'est une fibre optique pour pouvoir comprendre rapidement quelque chose. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont un petit peu inspiré ou marqué un petit peu dans votre parcours, de l'humour, la bande dessinée, etc. C'est des choses qui vous... Je citerai les mangas parce que j'ai été bercé par les mangas durant mon enfance, donc les mangas japonais. Après, effectivement, j'ai gardé des mimiques, des choses comme ça que je lisais dans les mangas. Je pense que c'est ce qui m'a le plus inspiré dans mon spectacle. J'ai toujours mon spectacle que je finis, je suis en tournée en ce moment un peu partout. Je finis en juin et puis sinon j'ai toujours mon émission sur Canal+, qui s'appelle Rendez-vous avec Kevin Razi où je parle de faits de société, d'actualité avec humour, donc au final dans la lignée de ce que je fais déjà avec, sur Fake News. Alors, est-ce qu'il y aura une suite à ce livre-là ? Il y a d'autres projets dans la tête ? Alors moi, je dirais, je sais pas encore parce que celle-là c'est une première, mais je sais qu'il y a une personne à ma droite qui pense déjà au tome 2, au tome 3 et au tome 4 de tout ce qu'on pourrait faire ensemble, donc tous les trois. Alors il y aura probablement une suite, ouais. Bon. Oula, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous avez travaillé alors avec notre ami là ? Comment ça fait L'idée c'était qu'on voulait interpeller en fait et les jeunes mais aussi les moins jeunes. Le format est jeune mais il n'est pas exclusivement pour les jeunes sur la question de fake news mais tout ce qui tourne autour comme les théories du complot ou autre. Et l'idée c'était effectivement de pouvoir faire quelque chose de documenté mais de donner des moyens. Donc c'est davantage une méthodologie, donner les moyens et la méthode aux plus jeunes même comme aux moins jeunes, même aux profs, aux parents, pour comprendre et faire comprendre la question des fake news, de l'information, de la mauvaise information, de la bonne information. L'idée, c'est pas de donner d'inculquer des vérités, mais surtout de montrer une méthode. Et en fait, on sait bien que, à la fois même par rapport aux références ou quoi, on n'a pas épuisé le sujet. On a beaucoup de choses encore qu'on pouvait dire. Donc c'est un peu ça, voilà, l'idée. C'est un peu comme ça que ça s'est fabriqué là-dessus. C'est abordable à tout public, je veux dire. Vraiment, c'est le défi. Enfin, moi, j'y suis beaucoup attaché avec Kevin, même que ce soit à travers ses émissions, c'est que de pouvoir faire un contenu pointu, sérieux, rigoureux, mais vraiment accessible à tous. Et sans prendre qui que ce soit pour un idiot ou pour un bonnet. C'est vraiment des plus jeunes. On veut responsabiliser même les plus jeunes, les gamins, à ce qu'en fait, ils soient interpellés comme si c'était des adultes. Parce qu'ils peuvent, ils peuvent comprendre des questions. Parce qu'en définitive, c'est des questions qu'ils se posent. Mais également pour les plus adultes, les plus âgés,
qui eux aussi parfois ont des questions infantiles hein, sur l'actualité, mais des fois ne se la posent pas. On n'ose pas se le dire entre collègues et amis. Donc c'est un peu l'idée, quoi. Parle de tome 2 ou tome 3, enfin c'est pas une suite, non, c'est ça ? Peut-être, on verra sûrement, ça dépendra. Il y a encore beaucoup, on en a beaucoup sous le coude, de toute façon c'est sûr. Maintenant, voilà, on verra bien et son succès relatif et effectivement s'il y a une demande, hein, de toute façon c'est certain, peut-être sur d'autres formes, on ne sait pas encore, mais on n'est pas fermé, quoi, c'est clair. Voilà, avec grand plaisir, merci à vous. Oui, alors, bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui, alors je suis Lionel Serre, donc je suis l'illustrateur du livre... Fake news, voilà. Comment ça s'est passé, le mariage, on va dire. Alors, bah, c'est l'éditeur qui a d'abord proposé le livre à Kevin, et puis après, il m'a proposé de l'illustrer. Voilà, donc on ne se connaissait pas, mais c'est une belle rencontre, et l'univers me plaisait. Enfin, je ne connaissais pas spécialement le travail de Kevin avant, mais j'ai suivi et vu qu'effectivement, pour lui, c'est important d'avoir du fond... Enfin, de mêler humour et en même temps sérieux, ça, je trouve ça intéressant, donc ça m'a plu. J'ai... Un débat, comment c'était difficile d'interpréter justement le thème de... Alors pour les illustrations, il avait déjà lui proposé des idées d'illustration systématiquement en rapport avec son texte. Et donc moi j'avais la liberté soit de juste illustrer ses idées ou soit d'en proposer d'autres, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc... finalement, il y a un peu des deux dans le... Enfin, en tout cas, pour les dessins. Hein, je... tenté de passer de quelques fake news ? Ah, je crois pas. Avec moi. Non. Ça... Non, tout s'est bien passé sur le dessin. La difficulté, c'était aussi de le représenter, que lui soit à l'aise avec son dessin, son personnage. Et moi, il fallait aussi que je sois à l'aise avec le personnage. Donc, mais finalement, pour moi, c'est... Oui. De la représentation ? Oui. Ouais. Je suis très content. Un mélange de Kevin, Alexandre Benalla et de Cyril Hanouna. Et non, mais je suis très content, franchement. On a vu plein d'illustrateurs, en fait. On nous a présenté le travail. Et ouais. On nous a envoyé des illustrateurs et c'est celui qu'on a choisi. C'était vraiment, il n'a même pas eu besoin de tergiverser très longtemps. On a tout de suite accroché avec le travail de Lionel et du coup voilà, c'est pour ça qu'on a choisi Lionel. Ah, tu savais pas ? Non. Et ouais. Voilà. Je vais en parler avec Hubert après. Merci.